les contes de la Bécasse. Pierrot à Henri Rougeon. Madame Lefebvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à rubans et à chapeau falbala, de ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des dehors comiques et chamarrés, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie crue. Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple, nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Co. Comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir Madame, qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé, volé Madame Lefebvre. Donc on volait dans le pays. Puis on pouvait revenir. Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. Tenez, ils ont passé par là, ils ont mis leurs pieds sur le mur, ils ont sauté dans la plate-bande. Et elles s'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquille maintenant Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil. Vous devriez avoir un chien. C'était vrai cela. Elles devraient avoir un chien, quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Pas un gros chien, seigneur. Que ferait-elle d'un gros chien Il les ruinerait en nourriture. Mais un petit chien. En Normandie on prononce quin. Un, un petit freluquet de quin qui jappe. Dès que tout le monde fut parti, madame Lefrève di discuta longtemps cette idée de chien. Elle faisait après réflexion mille objections, terrifiée par l'image d'une jatte pleine de pâté, car elle était de cette race parcimonieuse de dames campagnardes qui portent toujours des centimes dans leurs poches pour faire l'aumône ostensiblement aux pauvres des chemins et donner aux quêtes du dimanche. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc il fut décidé qu'on aurait un chien. Un tout petit chien. On se mit à sa recherche, mais on n'en trouvait que des grands, des avaleurs de soupe à faire frémir. L'épicier de Rolleville en avait bien un, tout petit, mais il exigeait qu'on le lui payât deux francs pour couvrir ses frais d'élevage. Madame Lefebvre déclara qu'elle voulait bien nourrir un quin, mais qu'elle n'en achèterait pas. Or, le boulanger qui savait les événements apporta un matin dans sa voiture un étrange petit animal, tout jaune, presque sans pattes avec un corps de crocodile, une tête de renard et une queue en trompette, un vrai panache, grand comme tout le reste de sa personne. Un client cherchait à s'en défaire. Madame Lefèvre trouva fort beau ce roquet immonde qui ne coûtait rien. Rose l'embrassa, puis demanda comment on le nommait. Le boulanger répondit. Pierrot. Il fut installé dans une vieille caisse à savon, et on lui offrit d'abord de l'eau à boire. Il but. On lui présenta ensuite un morceau de pain, il mangea. Madame Lefèvre, inquiète, eut une idée. Oh, quand il sera bien accoutumé à la maison, on le laissera libre. Il trouvera à manger en rôdant dans le pays. On le laissa libre, en effet, ce qui ne l'en empêcha point d'être affamé. Il ne jappait d'ailleurs que pour réclamer sa pitance, mais dans ce cas, il jappait avec acharnement. Tout le monde pouvait entrer dans le jardin. Pierrot allait caresser chaque nouveau venu et demeurait absolument muet. Madame Lefèvre, cependant, s'était accoutumée à cette bête. Elle en arrivait même à l'aimer et à lui donner de sa main de temps en temps des bouchées de pain trempées dans la sauce de son fricot. Mais elle n'avait nullement songé à l'impôt. Et quand on lui réclama huit francs, huit francs d'impôt, madame, pour ce freluquet de quin qui ne jappait seulement point, elle faillit s'évanouir de saisissement. Il fut immédiatement décidé qu'on se débarrasserait de Pierrot. Personne n'en voulut. Tous les habitants le refusèrent à dix lieues aux environs. Alors on se résolut, faute d'autres moyens, à lui faire piquer du mât. Piquer du mât, c'est manger de la marne. On fait piquer du mât à tous les chiens dont on veut se débarrasser. Au milieu d'une vaste plaine, on aperçoit une espèce de hutte, ou plutôt un tout petit toit de chaume posé sur le sol. C'est l'entrée de la marnière. Un grand puits tout droit s'enfonce jusqu'à vingt mètres sous terre pour aboutir à une série de longues galeries de mines. On descend une fois par an dans cette carrière à l'époque où l'on marne les terres. Tout le reste du temps elle sert de cimetière aux chiens condamnés, et souvent quand on passe auprès de l'orifice, des hurlements plaintifs, des aboiements furieux ou désespérés, des appels lamentables montent jusqu'à vous. Les chiens des chasseurs et des bergers s'enfuient avec épouvante des abords de ce trou gémissant. Et quand on se penche au-dessus, il sort de là une abominable odeur de pourriture. Des drames affreux s'y accomplissent dans l'ombre. Quand une bête agonise depuis dix à douze jours dans le fond, nourrie par les restes immondes de ses devanciers, un nouvel animal, plus gros, plus vigoureux certainement, est précipité tout à coup. Ils sont là, seuls, affamés, les yeux luisants. Ils se guettent, se suivent, hésitent, anxieux. Mais la faim les presse, ils s'attaquent, luttent longtemps, acharnés, et le plus fort mange le plus faible, le dévore vivant. Quand il fut décidé qu'on ferait piquer du mât à Pierrot, on s'enquit d'un exécuteur. Le cantonnier qui binait la route demanda six sous pour la course. Cela parut follement exagéré à Madame Lefebvre. Le goujat du voisin se contentait de cinq sous. C'était trop encore. Et Rose, ayant fait observer qu'il valait mieux qu'elle le portasse elle-même, parce qu'ainsi il ne serait pas brutalisé en route et averti de son sort, il fut résolu qu'elles iraient toutes les deux à la nuit tombante. On lui offrit ce soir-là une bonne soupe avec un doigt de beurre. Il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Et comme il remuait la queue de contentement, Rose le prit dans son tablier. Elles allaient à grands pas, comme des maraudeuses à travers la plaine. Bientôt, elles aperçurent la marnière et l'atteignirent. Madame Lefèvre se pencha pour écouter si aucune bête ne gémissait. Non, il n'y en avait pas. Pierrot serait seul. Alors Rose, qui pleurait, l'embrassa, puis le lança dans le trou, et elles se penchèrent toutes deux, l'oreille tendue. Elles entendirent d'abord un bruit sourd, puis la plainte aiguë, déchirante d'une bête blessée, puis une succession de petits cris de douleur, puis des appels désespérés, des supplications de chiens qui imploraient, la tête levée vers l'ouverture. Ils jappaient, oh, ils jappaient. Elles furent saisies de remords, d'épouvantes, d'une peur folle et inexplicable, et elles se sauvèrent en courant. Et comme Rose allait plus vite, Madame Lefèvre criait Attendez-moi, Rose, attendez-moi Leur nuit fut hantée de cauchemars épouvantables. Madame Lefèvre rêva qu'elle s'asseyait à table pour manger la soupe. Mais quand elle découvrait la soupière, Pierrot était dedans. Il s'élançait et la mordait au nez. Elle se releva, elle se réveilla et crut l'entendre japper encore. Elle écouta. Elle s'était trompée. Elle s'endormit de nouveau et se trouva sur une grande route, une route interminable qu'elle suivait. Tout à coup, au milieu du chemin, elle aperçut un panier, un grand panier de fermiers abandonné, et ce panier lui faisait peur. Elle finissait cependant par l'ouvrir et Pierrot, blotti dedans, lui saisissait la main, ne la lâchait plus, et elle se sauvait éperdue, portant ainsi au bout du bras le chien suspendu, la gueule serrée. Au petit jour elle se leva presque folle et courut à la marnière. Il jappait, il jappait encore, il avait jappé toute la nuit. Elle se mit à sangloter et l'appela avec mille petits noms caressants. Il répondit avec toutes les inflexions tendres de sa voix de chien. Alors elle voulut le revoir, se promettant de le rendre heureux jusqu'à sa mort. Elle courut chez le puisatier chargé de l'extraction de la marne, et elle lui raconta son cas. L'homme écoutait sans rien dire. Quand elle eut fini, il prononça. Vous voulez votre quin? Ce sera quatre francs. Elle eut un sursaut. Toute sa douleur s'envola du coup. Quatre francs Vous vous en feriez mourir Quatre francs Il répondit. Vous croyez que je vais apporter mes cordes, mes manivelles et monter tout ça, et me n'aller là-bas avec mon garçon, et me faire mordre encore par votre maudit pour le plaisir de vous le redonner Fallait pas le jeter Elle s'en alla, indignée. Quatre francs Aussitôt rentrée, elle appela Rose et lui dit les prétentions du puisatier. Rose, toujours résignée, répétait Quatre francs, c'est de l'argent, madame. Puis elle ajouta Si on lui jetait à manger à ce pauvrequin, pour qu'il ne meure pas comme ça. Madame Lefebvre approuva, toute joyeuse, et les voilà repartis avec un gros morceau de pain beurré. Elles le coupèrent par bouchées qu'elles lançaient l'une après l'autre, parlant tour à tour à Pierrot. Et sitôt que le chien avait achevé un morceau, il jappait pour réclamer le suivant. Elles revinrent le soir, puis le lendemain, tous les jours, mais elles ne faisaient plus qu'un voyage. Or, un matin, au moment de laisser tomber la première bouchée, elles entendirent tout à coup un aboiement formidable dans le puits. Ils étaient deux. On avait précipité un autre chien, un gros. Rose cria. Pierrot Et Pierrot jappa, jappa. Alors on se mit à jeter la nourriture, mais chaque fois elle distinguait parfaitement une bousculade terrible, puis les cris plaintifs de Pierrot mordu par son compagnon qui mangeait tout, étant le plus fort. Elles avaient beau spécifier. C'est pour toi, Pierrot Pierrot, évidemment, n'avait rien. Les deux femmes interdites se regardaient, et Madame Lefèvre prononça d'un ton aigre. Je ne peux pourtant pas nourrir tous les chiens qu'on jettera là-dedans. Il faut y renoncer. Et suffoquée à l'idée de tous ces chiens vivant à ses dépens, elle s'en alla, emportant même ce qui restait du pain, qu'elle se mit à manger en marchant. Rose la suivit en s'essuyant les yeux du coin de son tablier bleu. Fin de la nouvelle